Eh bien, salut à tous, c'est Nicolas Claire Pro Super et on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans où je vais faire quelques présentations et tout. Parti. J'ai créé un nouveau clan qui s'appelle Athos Family. Donc, pour ceux qui veulent que ça veut dire Athos, voilà, ils pourront dire à ceux qui veulent pas dans les commentaires. Franchement, c'est excellent. On a en même pas eu un jour, on pense qu'on est 11 ou 10, je sais plus. On n'a pas encore déclaré de GDC, mais vous pouvez tous venir. Donc voilà. D'accord. Donc voilà, donc il s'appelle Athos Amélie. Il y a beaucoup de gens, tu vois. Donc je vais pas vous montrer une attaque aujourd'hui. Enfin, peut-être une vidéo qui suivra dans pas longtemps. Parce que il faut encore 7 minutes, donc ouais, peut-être, non, 11 minutes, donc je sais pas, peut-être que j'attaquerai pas, on verra. Par contre, je vais vous montrer une défense et des vidéos des autres, voilà. Donc, c'est parti pour la défense. Donc, je gagne pas forcément et tout, donc j'ai montré une belle défense où il y avait beaucoup de troupes. Malheureusement, j'ai perdu, mais sinon, voilà. Je vais se regarder. Il a fait une technique, je vais pas dire basique parce que sa technique n'était pas du barbaraché. Franchement, en fait, c'est une compo aléatoire comme la mienne. Ma compo étant de 14 géants, 12 sorciers, un archer et un barbare, et 3 dragons, avec 3 sorts de soins. Mais avant, je faisais 2 sorts de rage et 1 sort de foudre. Donc, on se penche, il a balance son roi barbare 7, donc déjà il a le pouvoir, voilà, il active. Vous allez voir qu'il va bien rentrer, vous voyez. Et voilà. Ah, j'ai oublié de dire, prochainement, voilà, regardez, HDV 8 dans 5 jours, un truc comme ça. Et là-bas, une mine d'or qui va passer au niveau 11, mais ça, c'est pas très important. Sinon, ben voilà, il attaque, je dis bien. Il avait même mis ses géants pour qu'il prenne tous les dégâts avec son roi des barbares. Regardez, toi, toutes mes troupes sont dessus. Donc les autres peuvent rentrer à l'aise, facile. Et il a mis le reste derrière. Vous voyez, derrière, il a mis plein de trucs niveau max pour bien réussir. Donc vous voyez que je fais vraiment pas le poids. Vraiment pas le poids. Que j'ai pas accéléré ça parce que voilà. Donc voilà. J'ai coupé le son de Clash of Clans parce que la dernière fois j'avais fait ça et on n'entendait rien du tout. Donc il n'a pas pris mon élixir noir, enfin la moitié à peu près. Je suis content parce que l'élixir noir, j'essaye de garder ça pour bientôt mon roi barbare niveau 2. Donc c'est 12 500 si je me trompe pas. Ouais, et j'y suis presque. Donc voilà. J'ai aimé ça. Et dans 9 minutes j'attaque. Donc, pour quelques personnes m'ont demandé si je voulais pas présenter leur village. Donc, ça, c'est mon pote d'école, s'appelle Alexis. Donc, voilà son village. On voit que c'est un peu un village farm défensif parce que il farme son élixir noir, il garde un peu ses ressources, mais il met son HDV intérieur et extérieur. Alors, puis, il met ses pièges là. Je lui ai déjà dit que ça ne servait à rien, mais il m'écoute pas. Ce mur aussi, bien sûr. Et je comprends pas son bad de faire ça. 5, 4, 5, 4, 8. Sinon, c'est un très beau village. Je dois dire qu'il perd une fois sur deux ou une fois sur trois, je sais pas. Sinon, voilà. On va passer à quelqu'un d'autre. Mais c'est des plus faibles hein, pour l'instant. Regardez, ils m'ont tous demandé. Tu vois, voilà. Donc, c'est Mooms 13, si je dis pas de conneries. Mooms 123. Donc on voit que c'est un village vraiment qui vient de commencer. Mais il a déjà son mortier, donc c'est déjà bien parce que quand tu commences, t'as souvent tendance à attaquer avec des archers parce que tu crois que c'est plus puissant, mais le mortier il est one shot en fait, même au niveau 2. Donc c'est un beau village, juste pensez à remettre ces bombes-là. Sinon voilà. Cookie. Il adore les cookies. Donc lui aussi c'est un village qui vient de commencer, voilà, qui vient de commencer, oui j'avais dit. Donc on voit qu'ici il peut se submerger facilement, mais il était malin, il a essayé de garder les sorciers qu'on a eu au début si vous vous rappelez pas. Donc voilà.
ce que j'ai à dire. Donc j'inverse, il n'y a pas d'autre. Lévi OM. Ça, c'est un village qui est déjà un peu plus fort. Vous voyez. Il va mettre son HDV en 6. Il attaque avec une compo basique. Et vous mettez les géants devant, ils prennent les dégâts et les barbares derrière. Donc voilà. C'est assez bien en fait parce que il défend, c'est un village défensif. Et en même temps on farm parce qu'il essaie de garder, on voit son élixir. Son or parce qu'il a mis ça en côté. Donc c'est un assez beau village, j'ai envie de dire, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Et donc Chirac qui a quitté, mais je pense. Donc voilà. Je vais finir sur ça parce qu'on est 10. Donc ceux qui voient la vidéo, franchement, venez rejoignez. Ça ferait plaisir, franchement. Je vais vous montrer d'autres défenses. La première. Non, elle passe très. Ouais, le truc, en fait, c'est que je vais vous montrer. Celle-là, je vous ai pas montré. Si, je vous ai. Ouais. Moi, je vais montrer celle où je perds parce que ça montre que chaque village sur internet ne marche pas. Celui-là, je l'avais trouvé sur internet, mais pas totalement comme ça. Il manquait le propulseur. En fait, il mettait pas tout. En fait, à la base, c'était un village phare, mais c'était le château de clan qui devait tout. Et j'ai un peu modifié en village défensif. Donc, il voit qu'il met son sort de rage. Donc, moi, les chevaucheurs de cochons, c'est aussi un peu casse-bonbon parce qu'ils peuvent surtout tuer des murs sans sort. Et donc, comme mes défenses qui peuvent avoir aériennes sont occupées, sauf ici, tu vois, parce que. Voilà. Et donc là, je l'ai eu direct. C'était une aussi, hein, c'était ça. Mais voilà, ça m'énerve, les chevaucheurs de cochons. Ce qu'il faudrait, c'est les bombes géantes. Mais en fait, mes bombes géantes sont là et là. Et ils sont pas du tout. Ils sont complètement à l'inverse. Donc on voit qu'il va gagner, ça se voit. Ah zut, batterie très faible. Donc je vous laisse, même si c'est un peu sombre, je reprends vite fait mon chargeur. Hop, excusez-moi pour cet incident. Et donc voilà, 48, 48, 50. Il fait le 50% et il va bien me faire plus parce que, enfin je sais pas en fait. Vu que les archers là sont inatteignables parce qu'il n'y a plus de défense. Ils vont liquider un peu tout ça. Voilà. Il va achever ce géant. Puis il va acheter cette archère. Et achever celle-là après. Il va achever celle-là. Il n'arrivera pas à avoir celle-là. Donc ceux-là vont réussir à finir cette truc. Puis ils vont avancer. Deux vont se faire avoir. Ils vont détruire celle-là. Et en essayant d'avancer pour détruire la mine d'or, ils vont foirer. Franchement, c'est dommage parce qu'il aurait pu quand même avoir mon élixir. Mais moi, je suis content. Voilà, au revoir les archers. Il a complètement quitté d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ah oui, j'ai à dire que bientôt, ce sera en ma vie, la prochaine vidéo, ce sera déjà fait. Ça va être au niveau 4, enfin, en cours d'amélioration en tout cas. Voilà, il reste 4 minutes. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer celle-là où il a fait 99%. Alors là, c'était vraiment de la grosse chance. J'ai pas encore vu cette attaque, donc je la découvre avec vous. Mais bon, voilà, j'ai rushé, moi, un HDV 7 sur une ligue hors 2 maintenant. Voilà, c'est médiocre. Et étant mon but d'arriver en cristal 3, bien sûr, avec un HDV 8. Parce qu'en cristal, je sais pas si vous savez, mais vous gagnez 250 gemmes. Et à ce qui paraît, en cristal, vous trouvez des beaux butins, surtout quand vous êtes HDV 7 ou 8. Mais c'est chaud d'arriver là-bas. Donc on voit qu'il a des chevaucheurs 4. Je pense que c'est 5 le maximum. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Vraiment, il a. C'est des bonnes troupes. Voilà, c'était impossible qu'il ne fasse pas le 50. D'ailleurs, je comprends pas très bien mon roi des barbares là, qui fout que dalle. Mais il comprend rien. Les casse-briques là-bas. Que dalle. Sorcier 5, hein, c'est puissant. Hein. Regardez ça. Il one-shot près. Oh, excusez-moi. C'était quoi ça? Hugo Posey. Donc on voit qu'il one-shot presque les casernes. Du coup, je pense.
Donc on repart là à 2000 de vie. Donc ça fait 6, 7, donc, attendez, parce que j'ai pas trop envie qu'ils partent. Donc voilà, ça sera plus rien que je vous montre parce que je sais que j'ai perdu. Je regarde un peu parce que voilà, ça fait déjà 10 minutes. J'ai envie de vous montrer une attaque, mais il reste plus que ce sort à la con là qui est pas fait. 2 gemmes, hein, ça me dégoûte. Seulement j'avais pas un petit succès à la con là. Moi je vais montrer une dernière. Là est prêt. Lol. Oui, je ferai peut-être un gameplay aussi là-dessus. Hein. Et la dernière défense, là où je gagne, ça dure 1 minute. Oh, c'est pas assez. Mais attends. Cette technique était de mettre des archers tout autour, donc archers quand même 5. Et je réponds déjà. Donc voilà, je mets en x2. Donc voilà, vous voyez que il met ses archers. Donc il gratte un peu le contour de la base. Mais ça va pas suffire. Parce que mon village étant basé sur un truc défensif, regardez, tout ça, c'est que de la défense. Que de la défense. Même à l'intérieur, c'est encore de la défense. Donc vous voyez qu'il va complètement foirer son attaque. Regardez. Voilà, vous voyez que. Hop, il vient de vous envoyer mon roi des barbares à chier. Donc, voilà, regardez. On voit qu'ils réussissent un peu, mais pas trop. Parce que, regardez, encore tout ça. Il va pas réussir. Donc on voit que il a en fait il a eu peur, il a vraiment tout balancé à la fin, mais il aurait balancé le château de clan avant avec les autres troupes. Je pense que ça aurait fait, mais il l'a, je sais pas, il a foiré. Donc voilà. Sinon il reste combien de temps? 10 secondes. Bon allez, on va attaquer. Avec une victoire, bien sûr, j'espère. Je vous aurais pas fait attendre tout ça pour rien. Donc, c'est parti. Donc, on cherche une partie avec quand même de l'élixir noir. Parce que j'ai envie d'en garder un peu. Parce que ça m'énerve à chaque fois. Ah ben voilà. C'est tout à fait faisable. Donc, je suis pas assez con. Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir pour ça. Oh, magicien. Je dis un magicien, voilà. Ouf. Donc, il y a une défense anti-aérienne là. Donc, c'est par ici que je vais baser mes géants. Avec un truc comme ça. Et mes trucs comme ça. Puis, je mets mon roi des barbares. Un sort de soin. Merde. Un sort de soin, je disais. Un deuxième sort de soin parce il va s'arrêter l'autre. Donc vous voyez qu'il a beaucoup de troupes dans son bazar, donc ça va être assez hardcore, hein, de le battre. Il faut prévoir et j'ai pas prévu. Hop, troisième sort. Maintenant en fait j'attends qu'ils détruisent ça, mais ils le font pas et je comprends pas. Ouais, le problème c'est que si je balance mes dragons maintenant, ça va faire foirer toute l'attaque. Ouais, donc le sort de soin est out. Ça devrait le faire. Je balance mes dragons. Maintenant, il y a plus à espérer qu'ils arrivent quand même à atteindre. Ah, bah, j'ai eu un peu d'élixir noir, c'est excellent ça. Donc, les trois dragons qui sont là, hein, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc, j'espère qu'ils sont pas assez cons pour partir sans défoncer l'HDV parce que j'aurai pas le 50. Donc, oui, je regarde un peu. 14 minutes. Pff, ça va être long avec l'autre, ça. Alors.
que c'était méchant là. Là, vous l'avez vu, hein, la mine chercheuse là, qui a défoncé toute la vie de mon dragon. Dragon là, il va se faire éliminer. S'il te plaît. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai l'HDV. Donc il n'y a plus que ça, regardez, je vais attendre qu'il finisse ça. Donc vous avez vu, hein, donc. La technique était un peu foirée parce que le but en fait est que les géants partent devant et que les sorciers fassent le boulot derrière. Mais je sais pas, ils sont partis sur le côté en fait. Et voilà, j'ai gagné. Le propulseur d'air. Donc je vais arrêter la vidéo. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir, à plus.